Épluchez les pommes de terre et coupez-les en lamelles régulières. Ensuite, rajoutez aux pommes de terre de la crème en mettant à niveau, ou alors 1 litre d'eau, avec une gousse d'ail coupée finement. Salez, poivrez et laissez cuire pendant 15 minutes. Les pommes de terre ne doivent pas être encore cuites, car on va poursuivre la cuisson au four. Il faut recouvrir le fond d'un plat à gratin des pommes de terre. Enfournez à 200 degrés pendant 15 minutes pour finir votre gratin dauphinois.